c'est toi. Waouh, quel tombe. Il suffit d'une innocente pression sur une touche pour démarrer une formidable aventure. Non. Si je suis face au... Ça veut dire... c'est celle-là. A marché, te voilà. Mes excuses pour les conditions de voyage. Moi, c'est Newton. Bienvenue à Boonton, mon très cher ami. Ici, les nuages de l'imagination virevoltent dans le ciel pour venir inonder notre atmosphère portée par le cœur créatif qui bat au centre. Une lune aux mille merveilles. Mais j'ai peur que l'avenir de Boonton ne repose entre nos mains. Voici pourquoi. Il y a bien longtemps, avant que le négativitron sème le chaos à Patchwork Monde, trois gargouilles voraces ont englouti toute la belle créativité de Boonton. L'inspiration s'est tarie. Nous étions à deux doigts de sombrer dans l'abîme. Quand soudain, trois héros sont apparus. Tout en vitesse, en force
et en élégance. Ils ont enfin réussi à triompher des titans. Une fois Punkum redevenu le paradis créatif qui nous entoure aujourd'hui, les héros se sont éclipsés pour entrer dans la légende. Une légende qui prédit également le retour des titans. Ce soir, à l'heure du coucher, tous les cauchemars de Punkum deviennent réalité. Et c'est là que je... Enfin, nous arrivons. Allez, vaillant assistant, toute la destinée de Punkum dépend des deux grands héros que nous sommes. Redescendons d'ici, j'ai un petit cadeau pour toi. Et bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne 242 Stéphanos. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit jeu. Un vieux jeu, bien sûr, ça s'appelle The Little Big Planet numéro 3. Et oui, ce jeu est développé par Sumo Digital et sorti le 18 novembre 2014 sur PS4. Oh, j'adore l'air de la montagne. Il est si... montagneux. Aérien. Oh, oh, oriente le joystick gauche vers le haut ou le bas pour t'approcher ou t'éloigner de l'écran. Oh, attends. Ok, d'accord. On a un effet de profondeur. C'est bon. Oriente le joystick gauche vers le bas en appuyant sur la touche action pour descendre d'un étage. Si tu sautes juste devant une marche, tu repasseras automatiquement dessus. Oups. Mais c'est une forme de didacticiel apparemment. Je t'ai raconté la fois où je suis resté coincé dans un chapeau? C'est vrai? Eh bien, cette histoire est non seulement des plus véridiques, mais montre aussi que rester coincé dans Little Big Planet peut être extrêmement dangereux. Si tu te retrouves dans une impasse inextricable ou dans les affres de la routine, ton pop-it pourra s'avérer d'une aide très précieuse. Ouvre-le avec la touche menu et mets en surbrillance l'option « Réessayer » avec le joystick gauche. Appuie alors sur la touche action jusqu'à ce que ton petit pote en plot explose en mille morceaux. Pas de panique, il reviendra vite au dernier point de contrôle que tu as passé en dernier. Et en super forme. D'accord, ok. En fait, quand tu rates, t'as toujours une... Les lance-plans te projettent de l'avant vers l'arrière et vice-versa. Essaye pour voir. C'est ça. Balance-toi en avant et en arrière, comme un... Oh, mais qu'est-ce qui est débile, truc qui se balance d'avant en arrière. Et les gars, je vous dis franchement, ce jeu, il est... Il est assez intéressant. Assez intéressant dans le sens qu'on s'amuse bien. C'est vrai qu'il est... On sent que c'est un vieux jeu, c'est pas nouveau. Par contre, là, je vais pas te mentir, je sais pas trop ce qu'il faut. Et si on essayait de se balancer? Ok, je vois le truc. Je vois le délire, d'accord. C'était tout. Aïe, merde, j'ai raté. Hop. Boum. Ok, d'accord.
excellent travail. Tes bons et rebonds sont tout bons. Sers-toi de la touche action pour déclencher les lance-plombs bleus. L'intérieur, c'est pas possible, hein. T'as même pas le temps d'en placer une. Alors, excusez-moi, mais j'ai l'impression que je parais pas beaucoup. Appuie sur la touche saisir pour grimper le long d'une surface à escalader. Ah merde, j'ai même pas fait attention. Tu peux toujours sauter quand tu grimpes en appuyant sur la touche action. Je savais que tu y arriverais. Ok. Bon, excusez-moi si je parle pas beaucoup, il y aura plus de concentration qu'autre chose. Hein. Parce que ce jeu. D'accord. Okay. On a des mini checkpoints. Bien joué. On y va. D'accord. Attends, mais ça veut dire que. Est-ce que je peux récupérer ça? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, on va pas faire le 100%, on y va. De la touche saisir pour agripper les morceaux d'éponge, puis traîne-les à l'aide du joystick gauche. Oh, mais c'est ce que je fais. Ah, d'accord, faut prendre depuis ici. Wow! Appuie sur la touche action en poussant ou en tirant un objet pour faire OIS. Oh, doucement. D'accord. Ça, on va récupérer ça. Et on va monter. Là, je crois que c'est bon. Oh. Doucement. Oh. J'aime bien cet effet de profondeur. C'est pas mal. Wow, 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 wow. Non, 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 non. Oh là là. Oh, c'est pas vrai. Oh là là, quel blé, j'ai blé. Génial, bon travail. Nous sommes sans sas. Attrape ce petit bidonio qui pendouille et balance-toi à l'aide du joystick gauche. Plutôt pratique, non? D'accord, je vois. Ça peut passer de l'autre côté. Ok. Wow. Wow, 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 wow. Qu'est-ce que j'ai fait? Je peux pas descendre plus bas. Ok. Et on va se faire péter. Wow, wow, doucement. Tu dois même pas me tenir. Hein. Ouh, putain. Attends. Attends. Non, 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 non. Oh là là, le déboulé, quoi. C'est pas possible, ça. Oh, mais c'est pas ce que je voulais faire. Bon, bah écoute, c'est pas grave. On y va. C'est pas grave, on y va, on y va. On va prendre. Ouh, purée. Doucement, doucement. Oh, oh, oh. C'est sérieux, non? Euh,
retirons-nous maintenant dans mon dirigeable pour préparer ta... Enfin, plutôt, notre mission casse-cou. J'avais déjà commencé à capturer depuis quelques minutes et Bienvenue dans mon laboratoire aérien. C'est mon père qui l'a fabriqué, mais j'y ai apporté quelques modifications. Attends, est-ce que c'est possible? Quel duo! Des co-conspirateurs parés pour leur tout premier briefing de mission top secret. Tiens, un autocollant. Voilà notre première cible, un endroit sordide du nom de Manoir Fil à Coudre. Colle-moi ça sur le tableau des missions. Dans le monde réel, coller des autocollants sur tout et n'importe quoi n'est pas bien vu. Et à juste titre. As-tu déjà essayé d'enlever un autocollant d'un chat? Suzanne n'a pas apprécié. En ces lieux demeure une vieille harpie qui s'appelle Nana Baba. Mets sa tête ici. Enfin, si tu as assez de cran. Quelle horreur! Mais nous devons nous armer de courage et nous diriger vers le toit. Un dernier autocollant. Place-le là si tu veux bien. Voici notre réel objectif. La boîte qui contient les titans maléfiques. Trouvons-la avant que Nana Baba ne les libère, la vieille harpie. Fort heureusement, j'ai mis au point l'outil idéal pour cette occasion. On descend. Wow, c'est complètement chelou ce truc. L'imagination convertie en mécanisme. L'inspiration au creux de la main. Il aspire, il souffle. C'est le Pompinator. Mais ça marchait très bien hier. Prends-le en main, que je te montre à quel point c'est utile. On n'aura jamais suffisamment de poches. En parlant de mes poches, je tenais à te présenter le tout nouveau pochon de poche. Appuie sur la touche retour pour afficher le pochon de poche. À l'aide du joystick gauche, mets en surbrillance l'objet que tu souhaites retirer du pochon. Quel engin du tonnerre! Oh, si seulement papa était là pour voir ça! Vise dans la direction de ton choix à l'aide du joystick droit. Pointe-le vers ce moulin avant et appuie sur la touche R1 pour lui insuffler du mouvement. Ouais, mais tu le fais jusqu'à quand? Je comprends pas bien. Présent, essaye de souffler ses caisses. Oh, le Pompinator d'accord, je n'est-il vois. Pas sacrément merveilleux? Oh, cette plateforme est cassée. Appuie sur la touche L1 pour l'aspirer vers toi. Bien joué. À la salle des commandes. À première vue, je peux dire que ce jeu peut être très addictif si tu fais pas attention. Dépêche-toi, l'ami. Nana Baba n'attendra pas ouais, si nous flamons. Tu peux attendre quand même. Attends, mais ça, c'est quoi, ça? Ça marche pas, ça.
Quand tu vois un symbole x2, ça veut dire que tu as besoin d'un ami. Tu peux venir avec trois amis si tu veux. Plus on est de fous, plus on rit. Moi, j'ai pas trop là. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer ici? Oh non. Absolument. Nous y sommes. Actionne ces interrupteurs et partons d'ici. Rejoins-moi dans ces superstations d'infiltration verticale. T'as l'impression d'être avec un gars complètement maboule, hein? Il se prend pour un agent secret de ouf, quoi. Et en route pour le manoir fil à coudre. Oh là là. Ah ouais, quand même, hein. J'ai pas vraiment compris, là, c'est même moins que tout à l'heure. Mais bon, dans l'ensemble, franchement, le jeu est assez intéressant, on va pas se mentir, il est vraiment top. Et pour l'instant, ça va, j'apprécie bien. C'est vrai que c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de jouer actuellement, où tout est un peu trop basé sur le shoot, et faut buter plein d'ennemis et tout. Mais bon, on est encore qu'au début, soyons patients, ok? Et ce jeu, je ne vais pas en faire de très longues vidéos, en fait. On va juste faire un petit kiff, vite fait, 40 minutes maxi. Et déjà, quand on a passé plus de 10 minutes de cinématique, ah, et ça va être difficile, hein, mais sérieusement. Les conditions de sécurité en prennent un coup dans l'aile, mais ça ne manquait pas de panache. Ceci, mon ami, est le manoir fil à coudre, là où reposent les redoutables et effroyables titans. Nada Baba, la vieille bique qui occupe ces lieux, je la soupçonne d'être la prophétique salvatrice de ces infâmes canailles diaboliques. Ça veut dire qu'elle va les libérer. Tu dois te rendre là-bas et l'en empêcher. Moi, je dois me faire cuire des œufs durs. Mais sache que je suis de tout cœur avec toi. Enfin, de tout cœur. Façon de parler, bien sûr. Mais sincèrement, avec toi. En route! Quelle aventure, les amis. Et j'ai bien peur de pouvoir nous arrêter aujourd'hui. Ouais, c'est mieux qu'on s'arrête par ici. C'était le petit instant découverte. Laissez-moi un petit pouce bleu. Et n'oubliez pas de me donner un mot dans les commentaires. Qu'est-ce que vous appréciez? Est-ce que vous appréciez plutôt ce jeu? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Comment vous le trouvez? Et en fait, j'ai oublié de préciser que je suis en train de le faire actuellement sur une PS4 FAT. Ok, j'ai préféré le préciser pour que vous sachiez que il n'est pas sur une PS4 Pro, donc les graphismes que vous voyez, le game capture, il est fait directement sur une PS4 FAT. Ok les amis? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et demain, nous allons continuer exactement là où on s'est arrêté. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas de nous laisser un petit like et un commentaire, ça aide beaucoup pour la chaîne. Et nous, on se donne rendez-vous à très bientôt. Allez!
Bye-oh.